Bienvenue à vous, c'est toujours Tekiro. On se retrouve pour du Dishonored Death of the Outsider. Death of the Outsider. Désolé pour mardi, j'avais pas internet. Hier, j'ai reçu ma trotte et je peux pas vous montrer. Je pourrais tourner la caméra, etc. Mais comment expliquer ça? 47 kilos sur 15 marches. Ouais, sur une quinzaine de marches à monter. C'est pas évident. Mais vraiment pas. Bah, quand je suis arrivé chez moi, j'étais en nage et aujourd'hui, j'ai extrêmement mal au dos. Donc, yes. En fait, j'étais en nage parce que grand 1. Bah, la lumière s'est éteinte. Donc ça m'a fait stresser à mort. Comment faire pour monter un tel poids alors que je suis entre deux étages? Sans ascenseur. Et grand 2, comment faire pour monter 50 kilos marche après marche, sans qu'elle retombe? En appuyant sur les freins, oui, mais non, pas évident comme ça, sur le coup. Donc bon, bah j'ai réussi, elle est devant moi. Bah, j'ai toujours l'ancienne. Et du coup, bah c'est la merde. Je crois que je l'ai à peine acheté, que je pense que je vais déjà la revendre. Ou alors je suis en train de regarder pour un autre appartement. Donc bah si un autre appartement, ça va être galère sur galère pour avoir internet à nouveau. Et déjà pour avoir l'appartement. Alors le jeu. Laisse capturer. Pas l'impression. Déjà, il est en train de charger ses shaders. Ah, game capture. Déjà, on va regarder ça. Ah, capturer une fenêtre spécifique. Et on va prendre ça. Et automatique. Bon, bah, je vais devoir faire la conversation pendant que le jeu est en train de charger ses shaders comme un gros con que j'aurais dû le lancer plus tôt. Alors, d'après l'image que j'en ai de la mort de l'outsider, on devrait jouer le rôle de celle qui nous a aidés sur le bateau, je me souviens plus comment elle s'appelle, qui serait la disciple de Daud, et qui au final devrait faire le lien entre le premier, enfin le DLC du premier où on incarnait Daud, où il affrontait sur la fin sa disciple, bon, la disciple que nous on a tuée. Enfin, nous, moi. Et du coup, ça fait un peu chier. Bon, ça permet de faire le lien, c'est déjà pas mal. Je suis en train de réfléchir à quel jeu je pourrais streamer par la suite. Je verrai pour. Comment il s'appelle ce jeu? Ce jeu de ses morts. Le jeu qui a été offert sur Epic la semaine dernière, qui se déroule à Tokyo avec des fantômes. Bah, vous trouverez le titre, j'en suis un peu. Je regardais sur ça. C'était mon seul moyen d'avoir internet pendant 2 jours. Ah, bah oui, je vous ai pas expliqué qu'est-ce qui s'est passé très exactement. Alors on m'a réparé tout ça hier. J'avais la trottinette en plus qui arrivait, il fallait que je la monte chez moi.
bon, je l'ai sorti du carton, c'était le plus facile pour la monter. Et en fait, on m'aurait écrasé la ligne internet du jour au lendemain. Mais comme ça, pas logique. Alors, j'ai le jeu qui vient de se lancer. Autorisé. Et peut-être le son du jeu. Ouais. Ouais, mais on n'a pas l'image. Ça, c'est un problème. Fenêtre spécifique. Ah, fenêtre spécifique, il veut bien. Donc voilà. On a l'air de jouer la capitaine du navire, qui serait l'ancienne disciple de Dowd. Luminosité, on s'en fout. De base, c'est déjà bien. Option, est-ce qu'il y a des trucs à modifier? Casque. Une principale, on va le mettre à 75. Musique, 80. Voix, on les garde. Vidéo. Sous-titres tous les liens à tous. Langue des voix par défaut. Oui. Visuel. Ah, j'ai vraiment rien changé. Hein. J'en suis désolé. Ok. Non, la V5, j'en veux pas. C'est un pro vertical, j'en veux pas. On va le mettre à 120 au cas où. Occlusion ambiante. Au contact de deux ombres, objet, un élément masque la lumière sur le second. On veut bien. Hop, on verra si ça va pas, je le changerai. Original plus, oh putain, oui, New Game Plus, putain, ça a été traduit. Ah, yes. Bon, normal, hein. Alors, de mon côté, je refais le Dishonored 2, mais en KO élevé. Avec Corvo. Je m'appelle Billy Lurk, Ah, mais voilà. peu de gens s'en souviennent. Pendant des années, je suis resté caché, à la tête Billy. d'un navire appelé le Dreadful Whale. J'étais une contrebandière, une receleuse, même une traîtresse d'après certains. Nos noms sont toujours éclipsés par nos actes. Si vous vous cachez suffisamment longtemps, tout le monde vous oublie. Puis vous vivez en solitaire, avec vos choix. Mais je n'ai jamais pu oublier l'homme qui m'a sorti du néant, Dowd. La lame de Dunwall, un nom murmuré par les accablés ou les mourants. L'assassin qui a tué une impératrice et en a sauvé une autre. La honte, ça ronge de l'intérieur. Quand je l'ai trahi, elle m'a laissé vivre. J'ai quitté Dunwall, ainsi que mon nom. Je me suis longtemps demandé si je méritais le pardon. Je me trouvais pathétique. À vouloir... Le pardon d'un assassin. La pitié coupe parfois plus qu'une lame. Maintenant, je sais que pardonner est quelque chose qu'on fait pour soi-même et pour ceux qui vous blessent. Dowd est à Karnaca. Et je vais le trouver. Toutes les nuits, le même cauchemar. Un combat de rue,
mon bras tranché par terre, mon œil arraché par une épée de la Grande Garde. Et quand je me réveille, ils me font encore mal pendant des heures. Horrible. Au moins ce truc me réconforte. Tu l'as volé, n'est-ce pas, Derdre? C'est tout ce qui me reste de toi. Encore une relique du passé. Toujours affûtée, au moins. Ce club de boxe au bain d'Albarca est ma dernière piste. Daud doit s'y trouver. Alors, pour les graphismes tels qu'on le voit, en plus, avec le... Oui. Oula. Purification par le feu, vous obtiendrez votre salaire à la fin de la mission. Récompense, d'accord, j'ai des contrats qui me sont effectués. Je dois effectuer. Cambrioler, espionner, faire les poches. Daud m'a appris bien plus que tu es. Et ça m'a permis de tenir. Jusqu'à présent. Donc, tel qu'on le remarque, il y a des éléments qu'ils ont gardés de Dishonored 2. Comme ce carnet. C'est tout le truc de menu, etc. On voit que ce jeu était prévu pour être un DLC de Dishonored 2, mais ils l'ont sorti à part. Et ça, franchement, bon, je dirais pas que c'est chiant ou ce genre de choses. Bon, il y a des sous à se faire, bien entendu. Mais je pense qu'à la base, il devait peut-être pas être prévu qu'il y ait un DLC. Et quand ils ont vu que Dishonored 2 a eu pas mal de succès, ils ont dû se dire on va quand même sortir un petit truc sur Billy. Je me souviens, ça y est, j'ai oublié son nom. Donc on va juste l'appeler, on va juste dire Billy. Et oui, le texte, c'est moi qui vous le fais défiler parce que je sais que je vais pas le lire moi-même. Il faut juste que je trouve la vitesse. Billy Lurk, voilà. Bon Billy. Donc voilà. On est clairement sur... texte. On est clairement sur un DLC. DLC. Donc j'ai quoi? Tir électrique. Décharge qui paralyse la cible. Tir voltaïque. Standard. D'accord, j'ai en fait en soi comme un pistolet, mais des cartouches électriques. Cauchemar terrifiant. Donc il y avait une note aussi là, d'accord. Le moteur est foutu et l'eau de mer a infiltré la moitié du navire. Le Dreadful Whale vit ses derniers jours. Donc là on est après l'histoire de Dishonored 2. On a vu qu'à la fin de Dishonored 2, en plus, elle récupère son bras et son œil. C'est pour ça que là elle en reparle. Enfin, elle a ce cauchemar qui fait que elle a l'impression que son bras et son œil ont fait la malle. Et en fait, c'est le cas tel qu'elle était quand on l'a connue. Donc on a fait un petit changement dans le passé où manoir... ça y est, j'ai plus le nom. Putain de mémoire. Donc au manoir... au certain manoir. On a... j'ai plus le nom. Stilton. Manoir Stilton, voilà. Comment on a changé le passé au manoir Stilton? On est revenu, elle avait son bras et son œil. J'ai cherché pendant des mois. Je sais que tu n'es pas loin, Daud. Quelque part. Tout Dunwall avait peur de lui à l'époque. Pas moi. Isabelle. Karnaca est pleine de secrets. Mes indices concernant Daud, c'est parce qu'il m'a laissé les trouver. Rick.
réponse de... Non, t'es... La marque de l'Outsider. Blood a la marque de l'Outsider sur sa main depuis que je le connais. J'ai enquêté à ce sujet dans tous les quartiers malfamés. Personne n'a jamais rien dit. Je suis retourné à la vieille match. Le journal. Ce club est géré par une bande, les Aveuglés. Ils prétendent se battre avec de la magie noire. Si c'est vrai, d'autres pourraient être impliqués. La lame de Dunwall. Ça va. Ah, ça raconte l'histoire de Dood. Mais il y a du Billy Lurk à l'intérieur. Ok. La grande impératrice. Raccommoder la veste. J'ai la trappe. Un bal whisky. On est clairement sur les mêmes graphismes. Là-bas, c'est la cité minière. Je reconnais. On est donc bien à Karnaca. On va quand même voir si on peut faire quelque chose ici. Alors, les interactions et tout le tintouin, c'est la même chose. La cabine du captain, de toute façon le bateau il est mort. Ouais. Cette station n'a pas servi depuis des années. Y cacher le Dreadful Well n'a pas été facile, mais il est à l'abri pour l'instant. D'accord. Il faudrait que je descende par là, mais je vais quand même vérifier s'il n'y a pas du loot, des thunes ou des bouquins. Ah oui, c'était vraiment à rapiécer. Hein. Il y a une grue, il y a ça qui se fait la malle. Hein. Longtemps, c'est des vieux tuyaux. Même pas un vrai ponton. Il est vraiment à rapiécer. Je ne sais pas du tout combien de temps dure ce jeu. J'y ai jamais touché. Bienvenue à toi, Maké. Salut. Que pouvez-vous me dire aujourd'hui, mes petits copains? Ah. D'accord, eux ils étaient sur le bateau.
Danger right voltage. Y'a rien. Absolument rien. Donc maintenant toute la partie se fait avec les ratas. Donc ça peut expliquer le pourquoi elle avait autant d'informations sur Dishonored 2. Oui, on va au bain. Il y a eu un pet. Oh, je regarde ça. Les bains d'Albarkan devraient pas être loin. Alors, bouteille vide. Les rails ne sont pas électrifiés ici. Ça va être difficile. C'est pas comme avant, mais ça fait plaisir. Je me demande si Daud les a vus. Alors, la partie tutoriel, comme d'habitude. Pour expliquer pas mal de choses. Ah, le jeu, ici. Il est même pas en 5 cours vertical, mais bon, oui, il est tout en ultra, il est... Ta gueule. Donc ça, c'est qu'il y a des ennemis, il y a des ratas. Merde, j'ai pas fait gaffe. Nah. Bon, après, c'est exactement... Comme si c'était un DLC de Dishonored 2. Qui avait la plus petite des anguilles. Ils ont vraiment tout repris. Toutes les nuits. Et au fur et à mesure, l'anguille est devenue plus longue. Ouais, classique. Et tu vas dormir aussi. Ah, c'est sûr que on est plus sur une ambiance, enfin on est quand même sur une ambiance assez sombre en soi, puisque on joue quand même le rôle d'un assassin qui est là pour assassiner son maître, mais c'est sûr qu'on n'est pas là pour se faire peur. Oui, ok. Ah, chouette. Fric, de la bouffe. Oh. Et surtout, on a de quoi se défendre. Allez, mais putain, mais restez là! Mordre la chair, mordre les yeux et les langues. Un délice, abandonné dans les caniveaux, chute. Une île brillante des baleines qui sentent l'océan. Sans riche et profond, au goût de vide, au goût de solitude. D'accord, c'est tout ce qu'ils ont à dire. Le temps métallique se ferme sur nos pattes. Mourir de faim, nos os brisés. Mordre jusqu'aux os, ronger et grincer. Tout dévorer, oui, tout dévorer. On la voit ici. La main de la nourriture. Délicieuse, chair fraîche. Oui, non, après ça on connaît. Sang et confiance, sang et trahison, elle n'a jamais su. Ok, à très vite. À bientôt. Bon courage, bon jeu, merci.
est-ce que c'est... Oui, on peut y aller, là. Non, y'a rien. Putain. Y'a rien d'autre. Écoutez. Yes. Ah oui, c'est complètement abandonné. Ken veut qu'on découvre ce que font les aveuglés à Albarca. Je sais ce qu'ils font. Cet endroit pue la magie noire. T'as vu les gens qui y sont entrés? Si tu les cherches, tu trouveras des poches de pu partout dans ton poisson. Au mieux. Ah, toi et tes croyances. Arrête de gober toutes ces idioties. Ce n'est qu'un gang. Tu risques plus de te retrouver avec un poignard dans le dos que maudit. Si tu le dis. Mais je préfère attendre les renforts. Alors, voir les patterns serait une bonne chose. Donc oui, il m'a affiché le tuto. Mais là, on s'en fout de les tuer ou pas. Voir si lui, il réagit en fait. Et l'autre aussi, je devrais pouvoir la voir. Waouh. J'ai failli me faire repérer. Allez, tiens. Ah, tu... Ouh, t'as un truc. Je te récupère ça. Quoi ça? Réagit le cœur. J'ai entendu quelques trucs à propos des aveuglés. C'était jamais bon. ILSR watching. Tire électrique. Ah, des munitions. Il y a un truc par ici. Porte bloquée. D'accord. Donc là, il y a clairement un truc. Territoire neutre. Cette fois. Cette ville me désole. Je dois me préparer pour mon combat. Ça bousille le voisinage, voilà ce que ça fait. On n'est plus en sécurité. Il y a un truc bizarre dans le coin. Des gens qui entrent et sortent à toute heure. Alors. Là, on apprend les rudiments. Il dit que ça booste la santé et accélère le cœur. Parfait pour la gorge froide. Tu crois que je devrais en prendre un? Non, surtout pas. Donne pas tes pièces à Duff pour ces babioles en os de baleine. Elles font que dalle. Gardez la tête froide. Badigeonne de la belladone sur ton torse. Il y a des charmes d'os à un certain endroit. Une certaine personne. Ouais, c'était juste que je voudrais voir s'il n'y avait pas un truc ici. Pas très fan des molosses. Un texte super. Où est-ce que je vais trouver tout cet argent?
de la bouffe, une régène santé, super. Ceci explique cela, il y avait un loquet et on peut pas ouvrir les loquets de toute façon de l'autre côté. Aïe. Aïe oh. Putain, désolé. Journée complète de travail, laissez-moi rire. Comment elle peut savoir ce que c'est une journée de travail? Si elle sait pas ce que c'est qu'un travail, c'est sûr. Alors, puis-je aller à l'intérieur? Verrouillé destructible. J'ai pas regardé. Informer au plan d'Allemagne. Ok, ouais, les contrats. Une salle aveuglée m'a volé mon pauvre neige. Tout blanc et très malade. Ah bon, j'ai pensé voler sa dépouille. D'accord. Donc il y a un molosse blanc à voler. J'ai même pas regardé mes contrats. Avec des potions. Les chardos, leur alcool est... leur alcool c'est de la merde. Ils se vont bien et ils nous perdent nos clients. Apportez-moi la recette de liqueur de rat. La recette. D'accord. Avant qu'on mette la clé sous la porte et détruisez leur stock pendant que vous y êtes. D'accord. Oui, coup classique. Ouais. Peut-être il y a une fenêtre là. Donc il y a moyen de passer par la fenêtre. Il y a peut-être moyen de passer par l'étage. Non, il y a rien. Parierait mon dernier sou qu'on va encore. Bonne shop. Ce soir, je vais échanger ma solde contre une bouteille de whisky. Et peut-être que je tenterai ma chance au dé. Ouais, y a rien du tout en fait ici. Ah, là je connais. Spirale tranchante. Donc ils ont tout volé, ils se sont barrés, mais ils ont laissé une spirale tranchante. Oh. Ensuite, qu'avons-nous? Ah, j'ai pas parlé. Je veux pas parler, occupé. Ah, ça se voit. Là, elle monte son nez. Là, elle a replongé. Attention, rangez-vous à côté. Attention, la chasse est lancée. Ouais. Je crois que le texte pour la personne qui a fait ça, c'était du... Ton texte, et tout à la fin, il a peut-être dû marquer le faire en chantant. Janet Lee, la propriétaire, elle répondra à vos questions. D'accord. Alors... Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Merde. Allez. Oh, ben... Les ratas, restez là. Je veux discuter. Oh, tant pis. Une fois que j'avais des amis.
D'accord, ok, l'escalier qui ramène là-haut, ok. Il y a toute la partie du bas du plan qui n'est pas accessible. S'il y a une porte en extérieur. Vous êtes en avance, rien à voir pour l'instant. Est-ce que je peux te... Qu'est-ce que t'as? Non. Pardon, j'ai glissé. Poste de baleine brute. J'ai cru que j'allais crever dès le départ. Je ne bouge pas d'ici. Je serai là quand ce monstre reviendra. Ne me dites pas que j'ai perdu mon talisman. Bah si. Astricter d'Arena à Aria, putain. J'aurais pourtant juré l'avoir emporté. Non, non, tu l'as perdu. Et c'était qu'un os de baleine, donc c'était même pas un charme d'os. Carte du ciel. Les mouches de son. Par les yeux de l'outsider. C'est Dode. Je dois vite le faire sortir d'ici. Je m'attendais à mieux. Regarde-toi, piégé comme un clébard dans un trou, attendant que ton maître te lance un charme d'os. Ne pas toucher, je ne sais pas comment cet engin fonctionne, mais il empêche la brute de sortir de l'arène et le gars. Attention, il m'aura rapporté assez d'argent. S'il s'échappe, il nous tuera tous. On n'éteignait pas ce dispositif. Cette chose doit annuler les pouvoirs de Dode. Si je l'éteignais, rien ne pourrait l'arrêter. Je viens depuis des années, et j'ai jamais vu personne comme la brute. Je vous conseille. Il fait peur. Je ne suis pas assez saoul pour discuter. Une fois dans la fosse, bouge vite et colle un crochet du gauche. Ça marche à tous les coups. Je l'affronte ou pas? J'ai mal partout, mais j'ai vraiment besoin d'argent. Hop, un os de baleine, ils ont pas de charme d'eau. Ces coups sont vifs comme l'éclair. Crois-moi, tu ne le toucheras même pas. Tant pis, j'y vais. Heureuse de t'avoir connu. En fait, ils ont que des charmes d'eau. Ils ont que des os de baleine. Pas un seul charme. Ne me dites pas que j'ai perdu. Je ne sais pas qui tu es, mais tu restes en bas si tu ne veux pas d'ennui. J'attends des nouvelles de la patronne là-haut. Une fois de plus. C'est l'outsider. Un jour avant la prochaine lune rouge. La prochaine fois, j'essaierai pendant la justice. Bonne idée qu'elle a eue de prendre les vieux bains d'Albarca. Miss Janet Lee était une nageuse autrefois, une sacrée championne. Demain, je ramène des cigares. Vous en voulez rien? Alors. Non. Pas cette fois. Tiroir vide. Bonjour. Spirale tranchante. J'ai jamais... Bonne fortune. J'ai essayé ce jus de rat avant. On va leur faire les poches. J'ai quatre petits à la maison et je voulais appeler. Et celle de bain. N'importe qui de la bouffe qui est une bouteille et se prendre pour le duc Abel. La liqueur de rat, ça demande du courage. Ça se bloquer des trouillards. Mais te relève pas trop vite. Journal d'un. Où tu verras le grand vide. Chaque goutte en vaut la peine. Plutôt exotique comme recette. Je vous connais? Non, bien sûr que non.
Je ferais bien d'apporter mes gains d'hier au coffre. Je croule sous les pièces. La brute de la magie noire. Dans le coffre, et j'ai caché la clé de ton appartement dans le seau près de la porte. Tu dois te rendre en bouteille cette fois. Encore un. Sers-toi des livres qui se trouvent au-dessus de ton bureau, elle te reviendra peut-être. Alors, la clé près du seau de la porte. Ils n'ont rien trouvé de mieux. Charme de Sagani. Ah d'accord, c'est... Paris, brut de la magie noire. Petit pied sur victoire sans mise en beurre. Tous les paris suivent le règlement de la maison. Cette pièce... Hein. L'endroit rêvé pour des paris. The Black Magic Wood, Jenny the Ripper, Out William, The Cutter. Autour de passe-passe, quelques potions et teintures, modeste aperçu du grand vide. Elle, j'y ai fait les poches, oui. Elle, j'y ai pas fait les poches. Oh, tu ne devrais pas te comporter comme ça. Je suis arrivé par là. Je veux voir si c'est la porte qui est là-bas. Donc il devait y avoir un seau. À moins que ce soit ce seau-là. Ouais. Clé de l'appart. Voilà. Pour le coffre. Le coffre, il avait dit la bibliothèque. Les chandos. Gna, oui, Don a toujours gagné. Visée exigeante. Ta gueule. Non, voilà. Voilà, charme d'os. Au tir, un voltaïque inflige légèrement plus de dégâts. Ça m'intéresse. Ça, c'est du fric. La fenêtre s'ouvre. Attends. Mais j'aurais pu arriver par là. Pay what you owe. Paye ce que tu dois. C'est pas une bibliothèque ça, mais c'est un secrétaire. Et où le putain de bibliothèque? Merde. Clé de l'appart. Ah oui, en plus on pouvait récupérer la clé de l'appart ici. Salle de bain. C'est quoi qu'il disait? Il se sert des livres qui se trouvent au-dessus de son bureau pour la combinaison de son coffre. Ah, d'accord, ok. 4. 5, 1. 4. 5. Du fric. La tabatière et l'étui. Yes. Ah, tu t'es fait racketter tout ce que t'as chez toi. Non, pas d'intérêt. Il y a absolument rien ici. C'est vide.
Non, il n'y a plus rien ici. J'aurais pu limite laisser la clé là si j'étais rentré de mon côté. Mais je trouve toujours tout au dernier moment. Donc. Je vais te piquer ce que t'as. Bon, allez, on va aller voir Janet Leigh. L'air frais a fait des merveilles, tout comme les pétales de soucis. Ce bar est à moi, pas à toi. Dégage. Pas que dalle. Vous venez ce soir ? Oh merde. Il est temps de l'achever. C'était à prévoir. J'allais faire de la merde à un certain moment. Non, non, tu es très haut. Voilà, merci. J'avais piqué ça aussi en dernier. Voilà. Donc je sais qu'il y a du fric derrière le bar. Mais je sais que c'est pas une bonne idée d'aller essayer de le piquer. Oh non, il y a rien. Il me faut monter. Quelqu'un tire les ficelles ici. Quelqu'un en sait. Mais comment plus. Y a moyen de monter par là. Je demanderai ça pour rien au monde. Demain, je ramène des cigares. Y a moyen de monter par là. Comment charme d'os qui me permet quoi, au moins c'est un petit peu plus rapide en mode furtif. Nickel. Oh. Ok. Tiens, électrique, c'est pas ça que je voulais. Le pistolet, il est parti où? Voltaïque, électrique. Paralyse. Qu'est-ce que vous aviez à dire? Enfin, la porte est condamnée. Bleu. D'accord. J'ai rien dit. D'accord. Nous avons tant perdu. Delila, son cercle. Mère aurait montré deux ou trois trucs à ses imposteurs. Repêcher un corps d'un marécage de Morlaix après un ou deux ans. Montrer ce que ça fait à la peau et aux os. On gagnait bien notre vie ici. Jusqu'à ce que la grande garde se mette à extorquer tout le monde. Sûr qu'il n'y a rien ici. J'ai connu un gamin qui disait que son charme d'os faisait rebondir les balles.
Il s'est tiré dans le bide et il est mort le lendemain. Ah. Ça, c'est con. Agilité augmente la hauteur et la longueur de os. Ouh, mais oui. On n'a pas vraiment de pouvoir, mais on a des charmes d'os. Suffisamment puissant, cette fois-ci Janet a promis en récompense à quiconque battrait la butte brute. Peut-être pas assez de mots. Os de baleine, du fric, des balles, mine grappement, ça je ne connais pas. Un dos de baleine. Ouais, encore. Non, je peux pas le récupérer celui-là. Non, trop gros. Est-ce qu'il y a un truc par ici? Je fais quoi? Elle me donnera à bouffer aux chiens si je peux pas suivre. Hey. Elles sont jalouses, c'est tout. Pourquoi je pourrais Il pas faut que je fasse attention à un voyou armé d'un couteau. Seulement au spectre. Je me demande si c'est un club privé pour les aveuglés. Je passe mon temps à préparer ces potions. Sa Majesté Miss Lee. Tire électrique paralyse. Saisir les ennemis. Presque plus de rats. Et après, je fais quoi? Elle me donnera à bouffer aux chiens si je peux pas suivre. Ah, ça plus tard. N'hésite jamais à admettre que j'ai peur. Et voilà, j'ai... Allez, faire le moins de bruit possible. Attends, c'est... Alma. Je vais aller un petit peu vite. J'aurais pourtant juré l'avoir emporté. Voilà, c'est bon, elle a pas eu le temps de crier, d'affoler quelqu'un. Et puis il y a tellement de bruit ici que normalement ça devrait passer. Le mieux serait de la mettre là. Pour l'instant, je suis bon. Si j'aurais préféré ne pas être vu. Concernant les mines de pain. Ah.
Ça se met comme ça, d'accord. Ah, il est là, lui. Donc lui qui faut que je tue et que... Enfin, que je tue. Oh, les trois, hein. Mais lui, il faudra que je le brûle. Ça c'est les balles normales, ça c'est les balles anesthésiantes. J'arrive à rentrer maintenant. C'est bien beau, mais... ouais. J'allais rechercher... Oui, ça me fait un tir électrique en plus. C'était un charme d'os que j'avais droppé. Non. Infligez davantage de dégâts avec votre épée, vos coups d'épée sont plus longs. Ouais, non, c'est de la merde. Hein. Il me reste à faire éteindre le dispositif pour sauver Dawood. Clé de Janet, clé de la porte, clé de la console de bridage des bandes d'Albarka. Ah, d'accord. Ah. Voilà. Des autres baleines. Donc. Les contrats. Un sale aveuglé m'a volé mon pauvre neige, il est tout blanc et très malade, ça me brise le cœur de vous dire ça, mais si vous pouviez... Ah ouais, j'ai cette souffrance et brûler sa dépouille. Il faut trouver un feu. Je crois que c'est ça le chiant. Trouver un feu pour le mettre dedans. Là j'arrive où? Oui, d'accord. Tu pouvais venir, ça serait intéressant. Ben voilà. Oui. Là il y a une chaudière. Une chaudière, on peut y cramer un truc. J'allais rater ça, moi. Je crois que j'y retourne ici. Mais... Voilà.
purification par le feu, ça s'est fait... Validé. Il n'en reste plus rien. Charme de sa proximité. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est parce que... Si ça pouvait me faire... Attends, c'est là où j'étais ça? Ouais. Y'a rien là? Non, y'a rien là. Putain, merde, tu softlock? Non. C'est bon. Rien. Un groupe de rock que vous avez croisé vous indiquez la présence de Molos. Non, ah d'accord. La porte est bloquée. Je crois que je l'ai pas lu celui-là. Perle maudite. Qu'est-ce que c'est ça? Projectile non létaux et quasi silencieux que vous pouvez lancer en appuyant sur LT. Il n'inflige pas de dégâts, il ne brise pas les objets, mais leur impact peut servir à... Oui, une connerie quoi, c'est malheur. Hein. Au lieu de balancer une bouteille, je balance ça pour attirer quelqu'un. Il n'y a plus rien ici. Territoire neutre. Demain, je ramène des cigares. Vous en voudrez un? Et comment? Allez au comptoir si vous voulez affronter la brute et que vous en avez marre de la vie. Ah, mais il est là le charme d'os que je cherchais à savoir où est-ce qu'il était. Lurk, je savais que tu me chercherais un jour, mais pas dans cette situation. Ça a été dur de te trouver. Comment as-tu atterri là? On parlera ailleurs. Les aveuglés ont plus de secrets que tu n'imagines. J'ai un bateau. Ou, ce qu'il en reste. Le Dreadful Whale. Il mouille sous la station d'Acantila. Dod, je... Garde tes questions pour plus tard, Billy. Sache juste que j'ai besoin de ton aide. Comme avant? Le passé, c'est le passé. Là, c'est plus important. D'accord. Qui est la cible? Le responsable de tout ça. Les sectes, la magie noire, la marque sur ma main. On va éliminer cette ordure une bonne fois pour toutes. Quoi? Tu veux... Tu veux tuer l'outsider? Tu veux tuer un dieu? Je le retrouve enfin et il me rebassine déjà avec ses conneries de secte. Dod s'expliquera sûrement au Dreadful Well. Chambre de ce corrompu.
Zephyr, votre vitesse de marche et de course augmente, vous recevez plus de dégâts. Intéressé. On va récupérer tout le fric. On va récupérer tout le fric maintenant. Reste. Je cherche le choléra maintenant, que j'ai trouvé la peste. Et ils sont tous en train de dormir. Putain, mais il est... pété du cul. Il doit y avoir un truc en bas, vu qu'on avait accès. Non, c'est juste un moyen de... rentrer, sortir. Ok, on va retourner là-haut. Il y a une porte que je n'ai pas ouverte. Voilà. Tir électrique, ouais. Clé de la distillerie. Un nouveau charme d'os, super. Lancé puissant, pour jeter des objets avec ça, ça m'intéresse. Peste, liqueur de Bonra. C'est pas ça le... dans le contrat. Charme d'os à l'étage, leur alcool est dégoûtant mais ils se vendent bien, ils vont faire des clients. Recette de la liqueur de rat. Peste. Le contrat est validé. Tranquille. Bon, par contre, ça se sniffe pas vraiment, c'est pas une super idée. Super bonne idée. Ils utilisent quoi? Chloroforme. Réactif. Ah oui, tu m'étonnes. Que ça ne se sniffe pas. Et j'en ai retrouvé de la peste. Enfin de la liqueur de rat du coup. 20 de mur, chloroforme, actif, pique. Ouais, après c'est les mêmes bouteilles. Oh shit. Entendre quelque chose. Non, t'as fait. Je vais aller vérifier. Voyons un peu. Qu'est-ce que c'était? Donc maintenant, il y a des gardes. Inutile de courir.
fin du voyage. Venez ici. Aïe, aïe, mort, ok. Je fais de la merde, voilà ce qui se passe. Pour changer. Alors, j'en suis où? Ouais, ouais, on a défoncé tout. Pour récupérer, putain, culé. Alors, j'ai tout. Là, j'ai tout. J'ai tout. Pas une bonne idée de dormir ici. Alors, toi, tu vas dormir ici. Il faut que je retourne au Dreadful Whale. Comme j'ai ouvert par là, je peux me barrer par là. Cette porte était censée être fermée. Cette porte était censée être fermée. Il y a du monde qui arrive. Il se trame quelque chose. On va pouvoir monter par là. Hein. J'ai été vu. Je suis toujours vigilant, toujours. Pas la peine de le dire deux fois. Pas moyen de passer par plus haut que là. Je pourrais lui atterrir sur la tronche. Il faut voir les patterns de chacun. Merde. Je pense
pensais qu'ils étaient trois. Par les bruits de pas, il me donnait l'impression d'être trois. Bon, bah j'aurais fait qu'un seul mort, mais j'aurais été vu par pas mal de monde. Allez, on se casse. En voiture, Simon. Oui, on retourne au Dreadful Whale. Il me semble que j'ai tout récupéré. Ah, létalité 1, ouais. Assaut, pas du tout furtif. Pas du tout furtif, mais bien en létalité. Plus dans l'attaque. Chandos, oui. Ah, ici, il y avait un tableau. Merde. On a fait les deux contrats. Neige carbonisée, vous avez brûlé les restes du molosse. Hein. Concurrence, vous avez saboté la distillerie. Vous avez pillé le coffre de Bookmaker dans les pins d'Albaca. Ok. Est-ce que je m'arrête là? Lorsque j'ai vu Daude pour la première fois, j'étais une gamine brisée. Il a tranché la gorge de trois hommes sans faire de bruit, ne laissant que le sang et la mort dans son sillage. Je ne sais pas ce que j'espérais quand je l'ai suivi, mais il a partagé son étrange magie avec moi. Et bien plus que ça, son talent, son temps, sa confiance, et parfois ses secrets. Mais il n'est plus l'homme qu'il était. Ses jours sont comptés et ses blessures ne guériront pas. Ses regrets non plus. Je sais à quel point ça ronge à l'intérieur. Au moins, je l'ai retrouvé. Il veut que je rattrape sa vie de péché en tuant un dieu. L'abbaye nous enseigne que l'outsider s'en prend aux faibles. Que le grand vide est la source de l'hérésie. Que l'outsider est responsable de tous nos maux. Qui sait ? Ils ont peut-être raison. Le même rêve. Mon bras arraché. Mon orbite qui brûle. La douleur. J'espère que ce n'est pas un présage. L'esprit éclairé sur le grand vide, Billy Lurk. Il touche l'esprit des rêveurs comme celui des mourants. Et parfois, les rêves te rappellent ce que tu veux oublier. Je sais qui tu es. Pourquoi es-tu là ? Qu'est-ce que tu veux ? Ce sont les gens qui veulent souvent que je leur donne quelque chose. Mais pas toi. Donc je vais te rendre quelque chose que tu as perdu. Attends, qu'est-ce que... Le monde a été blessé. Et tu emportes les cicatrices. Tu ne seras plus jamais la même. Je me demande si ça t'ira. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Après tout ce temps... Il a pris mon bras et mon visage. Est-ce à cause des rêves ou de Daude? Ceci explique cela. On va le dire autrement. Ah oui, ça en fait des... Ah, on a des pouvoirs. Les sciences. Arrêtez le temps, explore autour de vous sous la forme d'un esprit. Murmure des rats. Transfert, téléportez-vous en échangeant votre position avec votre marqueur. Semblance, prenez l'apparence d'un autre être humain.
œil d'argent, un fragment d'une identité ancienne qui permet à Billy de voir les choses invisibles à l'œil nu. Cet étrange cadeau de l'outsider tire son travail dans l'énergie directement du grand vide. La harponneuse, le miroir des mois. D'accord, c'est ça qui me permet de discuter avec les rats. Ok. Garçon au rat blanc et autre fable. Il n'y était pas celui-là avant de partir. Sommeurtrier alors que. La vire au massacre alors que le gars lançait un assaut contre le triste. Mais il n'y a pas eu de mort. D'accord. La grande garde, éliminer les aveuglés. Vantard. Agité, je pensais. Ok. De wood, à 6 mètres. Bon, bah. Moi, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude. On a plus d'une heure. Même plus que. Bien plus qu'une heure. Je m'arrête là. La suite de demain. Ouais. Oh, la suite demain. Ah, j'ai mal au dos. Ah, sa mère, l'hypopète. Il va me falloir 2-3 jours avant pour récupérer. Ensuite, deux. Non, pas ensuite. En servir prochainement. Bah, j'espère que lundi il pleut pas. Ça me ferait chier. Ah, si lundi il pleut, je prends pas la trotte. Je prends l'ancienne. Mais si ça orage averse comme pas permis, bah, je pourrais pas sortir, je pourrais pas me déplacer. Donc ouais, bah tant pis. Moi je vous dis à demain. Bon courage à vous. Ciao.